Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour le 20e épisode de notre Let's Play sur Batman Arkham Asylum dans sa version PC. Soyez les bienvenus, j'espère que ça va pour vous. Comme vous le voyez, l'ambiance est plutôt festive du côté d'Arkham, puisque si vous n'avez pas regardé l'épisode précédent, ce que je vous invite fortement à faire, nous avons atteint cette chère Poison Ivy, nous lui avons réglé son compte. Et maintenant le Joker nous a envoyé une invitation formelle à rejoindre la fête, qui est, voilà, au pénitencier. Mais, avant cela, comme je sais que la fête, c'est la dernière phase du jeu, je vous propose de prendre un petit moment pour tout simplement récupérer les collectables qui nous manquent. Alors, comment ça va fonctionner? Je me suis dit qu'on allait essayer de faire ça en prenant le moins d'épisodes possible. Et je vous propose de faire ça. Alors, je sais pas encore si ça va être d'actualité ou pas, mais en tout cas, je vous propose de faire ça en trois temps. On a Arkham Nord, Arkham Est, Arkham Ouest, un épisode par tiers de l'île. Donc aujourd'hui, comme on est dans Arkham Nord, on va s'occuper de cette zone. Alors, je précise qu'ici c'est Arkham Ouest, et ici c'est Arkham Est. Donc Arkham Nord, c'est juste ce tunnel-là, et les quatre trucs-là, ainsi que les soins intensifs. Ça inclut bien sûr les bâtiments. Avant de commencer, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez me signaler les moments épiques et les fails avec les hashtags associés, hashtag EpicEPIC, et hashtag fail et fail, plus seulement exact que le bar rajouté à la compile. Sans plus tarder, je crois qu'il va falloir qu'on parte chercher des trophées. Bah oui, parce que normalement on aurait dû aller tataner le Joker, mais j'ai pas envie de faire ça tout de suite. Je veux le faire quand j'aurai un joli 100% à montrer. Alors, est-ce que c'est quelque part par ici? Ça a l'air de quelque part par là, oui. Peut-être au-dessus de nous. Ah, attends, là, regardez. On va avoir besoin de la super bat griffe. Non, pour débloquer ce truc-là. Sans en extérieur, il nous manque plus beaucoup de choses. Allez hop. Et on commence avec un trophée de l'homme mystère. Et apparemment, il y aurait quelque chose au-dessus. On récupère déjà le trophée de l'homme mystère, c'est un bon début. Alors, figurine déverrouillée, sbire infectée par le titan. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'on a encore autre chose qui est un peu plus loin quelque part par ici. Il y a un dernier truc là dans le coin. Peut-être là-haut. Il faudrait qu'on puisse grimper. Je le vois bien comme ça. Alors, où je peux accrocher mon grappin? Là-bas. Alors, bah, je vois bien la chose. Genre sur le petit rebord qu'on avait vu quelque part par là-bas. Donc, il faudrait qu'on puisse prendre encore un petit peu de hauteur. Alors, je précise que je n'ai pas de guide de solution ou quoi que ce soit. Je me repère vraiment avec les cartes de l'homme mystère qu'on a trouvé. Hein. Je suis en train de me dire, peut-être que si je pars de la tour là-haut, avec un coup de tyrolienne, ça devrait passer. Oui, parce que regardez, le trophée là-bas. Tyrolienne. Ah, il faudrait que je descende d'un cran. Ok, c'est noté. Attends. Où est-ce qu'il y avait? C'est ici. Voilà. En gros, je me... Oh! Il restait des dents. Il y a combien de dents, là, dans la zone, encore? Encore deux. Ok. Bah, c'est bien, en ratissant la zone. Allez, hop, on va récupérer le trophée de l'homme mystère qui est là-bas. Parfait. Et alors, ça c'est Arkham Ouest. Ça c'est Arkham Est. Ça veut dire qu'il ne nous reste plus que les deux trophées qui sont là-bas dans le passage vers Arkham Ouest. Du coup. Et je pense qu'on fera Arkham Ouest en dernier parce que c'est là qu'il y a toute l'action, on va dire. Voilà, donc nous on va partir. Plaise. En fait, le seul truc qui manque à l'interface ici, ça serait quand même une boussole. Ah monsieur, qu'est-ce que t'en dis? Faut qu'on parte. Sur le bâtiment des soins intensifs. Là, de toute façon, il faudrait qu'on passe par au-dessus comme quand on a... Comme quand on a fait... Ah bah je vois les dernières dents là-bas. Voilà, comme ça, on aura les dernières dents du Joker. Non, ça nous en fait 10, parfait. Un défi de plus. Voilà, comme ça on est tranquille. Et donc, la chose qui nous intéresse n'est pas dans cette direction. Non, 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 il n'est pas dans cette direction. Ce qui nous intéresse, c'est le passage, en fait, qui est de l'autre côté. Satan. Ouais, le passage qui est de l'autre côté, par là. Voilà. Parce qu'apparemment, là-dedans, il y aurait deux petits trophées. Enfin, des trophées? Ouais, deux trophées. Dont un qui donne une récompense. Ok. Donc, les deux derniers trophées sont là-dedans. Va falloir qu'on surveille. Simplement, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de la super batterie? C'est pas impossible.
Ils sont quelque part par ici. Hein. L'esprit d'Arkham, on l'a déjà trouvé. Oui, c'est bien ce qui me semblait. On va ouvrir l'œil de toute façon. Ah, attends, c'était ici, je crois. Oui, c'est là. Super bad griffe. On y va. Voilà. Là, normalement, nous avons un premier trophée juste ici. Et où est le dernier? Il est de l'autre côté. On a la figurine du Joker et une nouvelle amélioration. Alors, bah on va prendre le générateur multifréquence et il ne nous reste plus qu'une seule et unique amélioration à obtenir. Alors, il va falloir qu'on passe par au-dessus pour la dernière truc. Apparemment, est-ce qu'il y a... Ouais, il y a un passage là-haut. Voilà, et avec ça, on a le dernier trophée, donc on a tous les trophées en extérieur à l'extérieur d'Arkham Nord. Si je regarde, voilà, il n'y a plus rien qui court à Arkham Nord, et regardez, boum! Tous les défis ont été réussis sur Arkham Nord. Donc maintenant, on va rentrer dans les soins intensifs. Donc on peut pas passer par en dessous, donc il va vraiment falloir qu'on fasse le tour. Donc on va préparer la tyrolienne parce qu'on va en avoir besoin. Alors, le bâtiment des soins intensifs, il est là de toute façon. Il va falloir qu'on regarde vers le haut, voilà, pour pouvoir partir par là-bas. Si je me souviens bien. Voilà, on grimpe là et on utilise la tyrolienne. Ah non, faut descendre d'un cran. Voilà. Non! Merde, caca pourri! Bon, heureusement qu'il n'y a pas de dégâts de chute. Hein. Ça m'aurait bien fait chier de prendre des dégâts de chute juste à cause de ça. Allez, direction les soins intensifs. Ça qui est bien, c'est qu'on sait qu'il n'y a plus rien à récupérer, donc entrons. Et aussi, c'est ça qui est bien, c'est que les soins intensifs, c'est là où il y a le plus de choses à récupérer. Puisqu'au niveau des défis, il nous en reste quand même encore 2, 4, 7, 9, 14, 17 sur 30. On a détruit les 20, donc ça c'est bien. Alors, donc dans l'accès entretien, on n'a rien. Les premières choses dans le hall des soins intensifs. Donc déjà, passer par le couloir public, ce sera un bon début. Allez. On va essayer de passer par au-dessus. Si on peut, bien sûr. Ouais, mais non, voilà, ce trophée-là, on l'avait récupéré, je me souviens. Justement, quand on était passé pour... et qu'on s'était pris le piège de l'épouvantail en pleine trogne. On était passé par où? Attends, ouvrir? Ah oui, il y avait un conduit, il a dit donc. Il y avait un autre conduit, là, quelque part, non? On était bien passé quelque part, pourtant. Quand on avait fait justement le passage avec l'épouvantail. Ah, c'était ici. Voilà, c'était ici. Voilà, c'est quand même mieux. Voilà, donc là on arrive. Faut qu'on fasse gaffe. Donc on est toujours dans l'accès entretien. Bah, suivons. Hein. J'aimerais quand même bien que ça se fasse comme. Ça se goupille comme j'en ai envie. On puisse vraiment aller à la fête du Joker avec le 240. Oui, parce qu'on est arrivé. Oui, voilà, on est arrivé ici. Donc un puzzle à plusieurs faces, mais certaines sont visibles. Alors ça, ouais, ok. Je crois donc il ne reste plus que l'énigme ici. Je crois qu'on avait repéré, il me semble, un point d'interrogation sur une des fenêtres. Il faut juste qu'on s'aligne correctement avec le reste des lignes. Voilà, parce que là, il y a effectivement ça et le point d'interrogation comme ça, ça m'a l'air bon. Voilà, mystère résolu, c'est parfait. Alors, si je sors normalement sur la voie, je peux faire le mystère du couloir public. Attends. C'est des ennemis ou c'est des amis? Ils sont surtout morts, je pense. Voilà, parce que le couloir public est par ici. C'est verrouillé, attends. Ah ouais, c'est normal, c'est pas la bonne porte. J'ai rien dit. Pas la bonne porte. Oui, c'est sur la gauche. C'est là en dessous. Voilà. Alors, couloir public, qu'avons-nous? Ah bah, il y a un trophée, je le vois juste ici. Et un petit coup de gel explosif, ça me paraît bien. Ça me paraît bien. Voilà, on fait boum. Et on récupère le trophée de l'homme mystère qui était ici. Alors, la prochaine pièce est le transfert du bâtiment des cellules où j'ai l'impression qu'il y a trois nouveaux collectables qui nous attendent. Remarquez, on avait quand même plutôt bien fait notre taf, hein, si j'en regarde. Hein. On avait récupéré ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait à ce moment-là. Alors.
Donc on revient et là cette fois-ci il faut qu'on parte ouais sur la gauche de l'autre côté. Pêche, on a quand même affronté plusieurs groupes de zombies ici. Hein. Là, normalement la sortie est là. Enfin elle est en dessous. Alors on va prendre la partie droite puisqu'apparemment il y aurait quelque chose sur la gauche. Alors ouais, il nous faut un séquenceur je suppose. Alors il y a une énigme aussi, il faut qu'on surveille. Voilà. Attends, Aaron cache. Ah quand on regarde c'est quoi l'énigme. Voilà, là maintenant je peux passer. Et récupérer. Sujet trop petit. Ah. La photo de Cash et de sa famille. Elle fait connaissance avec les parents avant d'être transférée hors d'ici. Ok. Donc c'est la photo de Cash. Alors, ensuite, on a encore deux choses à récupérer par ici. Faudra qu'on aille aussi de l'autre côté de toute façon. Parce qu'il y a au moins, je pense, un trophée. Ouais, là par exemple, on devrait pouvoir passer. Donc on va ressortir notre séquenceur. Et on va séquencer. Boum. Et là, nous trouvons une cassette d'entretien que je vous propose d'écouter. Dites-moi comment elles ont atterri dans mon bureau. Très simple, je les ai mises. Pourquoi tu n'aimes pas mes fleurs? Les gardes seraient sûrement intéressés d'apprendre que vous étiez hors de votre cellule. Si tu voulais vraiment le leur dire, tu l'aurais déjà fait. Comment savez-vous que ce n'est pas déjà fait? Tu sais, chérie, je t'aime bien. Vraiment, même ton nom. Retravailler un peu, ça donne... Harlequin comme le clown, je sais, on me l'a déjà dit. C'est un nom qui me fait sourire. Ça me fait penser que j'ai quelqu'un avec qui m'entendre ici. Quelqu'un qui pourrait aimer entendre mes secrets. Mmh. Vraiment? Continuez. Pas ici, mon ange. Trop d'oreilles. Et Dieu, reviens cette nuit. Je serai prêt pour toi. Ouh, ça devient chaud. Voilà, là on est pas mal. Et donc, il y aura encore un trophée quelque part. Je sais pas s'il faut qu'on aille s'il est de ce côté ou de l'autre. On va déjà observer. Je pense qu'il est de l'autre côté. Donc on va revenir dans la salle des soins intensifs. On va passer de l'autre côté. Je pense que quelque chose se cache par ici. Et après tout, il y a deux portes. Pas de raison qu'on n'explore pas des deux côtés. Non, c'est pas ici. Je pense que c'est vraiment tout haut. Là-haut peut-être. Il y a des gargouilles. Pourquoi il y a des gargouilles là d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est que ce truc? J'avais jamais remarqué qu'il y avait des gargouilles ici. Peu importe. Est-ce qu'on duit là? Attends, c'est... Ouais, c'est quelque part par ici. Hein. Alors, où es-tu petit trophée? Parce qu'ils sont tous inconscients, d'accord. Et là... bah je vais... J'ai presque envie de suivre le conduit, mais bon. J'aurais bien aimé repérer ce que je suis censé choper. Hein. Parce qu'avoir une indication de la hauteur, de tout ça... Bon, au pire, je vais continuer. J'y reviendrai à celui-là. J'y reviendrai. Donc nous sommes dans le transfert sécurité. Docteur Jonathan Crane procédait de rendre la crainte encore plus intense. Ok. On avait séquencé ici. On avait séquencé, on dirait. Bah, je crois qu'on est... Oui, je crois qu'on était passé, on avait récupéré quelque chose, non? Parce que là, c'est transi... Oh! J'ai pas récupéré ça. C'est qu'on glisse sur le même toboggan de fête foraine vers la folie.
c'est que le misérable menteur peut courir en toute liberté pendant que je suis là. C'est vraiment incisif. Alors, tu comprends, hein? Tu sais pourquoi je fais ce que je dois faire. Tu sais que le seul sauveur de Gotham, c'est moi. Eh ben dis donc. Ok, il y aura encore un truc à côté. Quoi? Tu as réussi 75% de mes défis? Eh ben non. Eh ben non, c'est que t'es un caca, tes défis ils sont faciles, puis tu m'as filé une carte. Comment connaître que la carte ça aide beaucoup? Alors, comment j'ai réussi à la louper celle-là? Faut quand même qu'on m'explique. Bien. Bon, je sais toujours pas ce que je dois faire de ce trophée qui est de l'autre côté. Tant pis, je suis à côté. Je vais regarder au pire, je couperai dans le tas. J'aimerais comprendre des... Ah, attends, je peux pas passer en dessous? Non. Est-ce que en ayant un angle différent de la chose, je pourrais le voir? Il est censé être quelque part par ici, hein. Je ne vois rien du tout, je vois même pas la forme, en fait. Là-haut, peut-être? En fait, il faudrait surtout que je prenne de la hauteur pour voir quelque chose, mais il n'y a pas grand-chose pour prendre de la hauteur ici. Attends, et si je remonte là-haut, est-ce que je vois quelque chose? Est-ce qu'il ne faudrait pas, par hasard, que je puisse séquencer? Non. Bon. On va continuer. De toute façon, il faudra que j'y revienne parce que celui-là, je dois l'obtenir. Hein. C'est quand même dans le contrat pour le 100%. Allez, donc on va partir vraiment d'un niveau à l'autre. Un esprit d'Arkham, on l'a trouvé? On l'a trouvé. Ok. Donc là-dedans, il me reste un truc qui a l'air d'être au-dessus, puis le truc qui a l'air d'être vers l'entrée. Wait a second. Donc là, il va vraiment falloir qu'on explore à chaque niveau. C'est aussi ça le souci de la carte qui est en deux dimensions, c'est que tu sais pas. Tu veux pas fermer ta gueule? J'essaie de me repérer, mon pote. Alors. Ok, c'est pas franchement ce que j'avais en tête, mais soit. Alors là, il faudrait que je remonte un petit peu parce qu'on sait que là c'est trop bas. Alors là, c'est verrouillé. J'espère vraiment que je pourrais tout faire. Bon, ça va, celle-là n'est pas verrouillée. Il y a encore deux choses à récupérer ici. Je voudrais pas faire mon chieur, hein, mais bon. Ici, quelque chose. Ouais, là on y était allé, donc là j'ai dû récupérer tout ce qu'il fallait. Ok. En fait il faudrait maintenant que je commence à remonter tout doucement, j'aurais remonté genre ne serait-ce que d'un cran si c'est possible. Je peux vraiment pas remonter d'un cran quelque part? Ah si, là-bas. Derrière moi? Par ici? Pas ça. Il faut pas oublier qu'il y a toujours l'énigme en plus de je sais pas quoi. On va grimper d'un cran. Ok, là je peux grimper ici. Attends, il y aurait peut-être quelque chose par là. On surveille. Tu peux grimper quand tu veux, mon cher bateau. Hein. Si ça se trouve, il y a un truc devant lequel on est passé. Allons voir. Là. De ce côté peut-être. Non, ça a l'air d'être vraiment tout là-haut. Eh ben regrimpons. Oh, regardez là-bas, un trophée de l'homme mystère. Boum. Et est-ce que le trophée de l'homme mystère ne nous mènerait pas à ce qui nous manque dans le coin? Voilà, celui-là c'est bon. Et apparemment l'énigme elle est de l'autre côté, donc elle est quelque part dans cette direction. Et comment s'intitule l'énigme déjà? Le docteur Jonathan Crane projette de rendre la crainte plus intense. Ok. Alors déjà, est-ce que c'est en haut, est-ce que c'est en bas? Je sais pas, mais déjà, faut se mettre en bonne position. Donc plutôt dans ce sens-là, je dirais. Aucun sujet détecté. D'accord. Attends. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, ça. Alors pourquoi il y aurait ça?
Vas-y, on va passer. Ah, est-ce que le trophée que je voulais chercher tout à l'heure, il serait pas là des fois? Peut-être pour ça que je le voyais pas. Oh, c'est pas un trophée, c'est carrément un esprit d'Arkham. Et bah voilà. Effectivement, c'est plus simple quand tu sais que tu dois regarder dans la salle d'à côté. Allez, écoutons ça. Numéro 13. La police de Gotham amena un nouveau patient sur l'île. On le disait responsable de la disparition de centaines de vagabonds de la ville. En contemplant son corps répugnant, fait d'écailles et de dents, je me mis à rêver de délicieuses punitions pour briser ce monstre. Les docteurs l'observèrent, l'examinèrent, mais moi seul savais comment le soigner une fois pour toutes. Mais... Ok, donc il y a toujours l'énigme, et cette salle-là... Ah d'accord, l'énigme... Elle est là. Et attends, et si en fait l'énigme... Sujet trop petit. Ah ah! Aucun sujet détecté. En fait l'énigme, elle est ici. Non? Attends. Aucun sujet détecté. Sujet trop petit. Sujet hors champ. What? Esprit d'Arkham déjà trouvé. Ça y est, je comprends pas. Et si c'était genre ici mais en dessous? Sujet obscurci. Aucun sujet détecté. Bon, je vais pas y passer la nuit. Vite. Comment s'appelle cette énigme? Le docteur Jonathan Crane projette de rendre la crainte encore plus intense. Okay, oh. Oh, ça c'est bien ça. Attendez, juste un message de ma mère, faut que je réponde. Voilà, faut que je réponde, voilà, hop. Donc, le docteur Jonathan Crane. J'ai pas envie de passer 50 ans. Non, le plus loin des R. Jonathan Crane. Voilà, le docteur Jacques, parfait. Où est-ce qu'elle est exactement? Alors. Apparemment, rapprochez-vous de la base de l'ascenseur qui disent. Je me fais pas chier, je vous le dis clairement. Alors, le docteur Jonathan Crane, blablabla. Base de l'ascenseur. Ah, d'accord. Approchez-vous de la base de l'ascenseur gauche et entrez par un conduit d'aération. Suivez les canaux et escaladez la pièce remplie de crânes. D'accord. Il y a une pièce remplie de crânes? Elle doit être en dessous, je pense. Ouais, parce que là, c'est que des champignons. Donc, il faut qu'on redescende à la base de l'ascenseur gauche. Si j'ai bien compris. Est-ce que je peux redescendre s'il vous plaît? Mais attends, l'ascenseur gauche. Base de l'ascenseur gauche et il y a un... Ah, ici peut-être, non? Ouais, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air d'être ça. Allons voir si ça... De toute façon, ça mène dans une pièce remplie de crânes, on sait que c'est là. C'est pas ici, ça doit être de l'autre côté du coup. Un sujet détecté. Ouais, ça a l'air d'être ça, je pense. Voilà, le joueur de Green projet d'en. Comment as-tu résolu celle-là? Bah parce que j'ai regardé sur le net, pauvre con. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque plus beaucoup, il nous en manque 3, 6, 9. Ok, le prochain, il y en a deux dans la boucle de transfert. Je pense qu'on va faire une espèce de boucle justement. Et on va aller tout droit. Alors par contre la sortie c'est par où? Bon je vais sortir par là, c'est pas par là, bien sûr. Et de là, est-ce que je peux regrimper s'il vous plaît? Merci. C'est la sortie là? Ouais, c'est la sortie là, super. Alors! Ah oui, c'est cette porte là qui est verrouillée, c'est l'autre qu'on doit prendre. Bon, bah ça qui est bien, c'est quand il y a deux portes, on a toujours au moins une qui nous permet de passer. Boucle de transfert. Haute forme et queue de pie sont de rigueur pour cette fête au nord. Ok, donc on a deux choses à récupérer par ici. Oula, attendez, qu'est-ce qui se passe là? Désolé, j'ai un message de mer, je veux lui répondre assez vite histoire d'être sûr. Oh, nice. Ah bah ça c'est bien gentil de la part de mes parents. Bon, bah j'ai le moral. Je vous annonce qu'il ne me reste plus qu'un seul jeu PS4 à récupérer et j'ai absolument tout. Le jeu en question, c'est Assassin's Creed Origin. Parce que mes parents m'ont racheté Spider-Man et Horizon, même si j'avais encore la boîte.
Là, du coup, ça y est, la collecte de jeu est presque rétablie. Ça fait franchement zizir. C'est moi qui vous le dis. Ok, donc sur la gauche, juste après ça, donc c'est... Peux-tu vaincre un esprit aussi brillant que le mien ? Oui. Un sujet détecté, d'accord. Il y a quelque chose ici, hein. Ah bah voilà ! On prend cette photo du pingouin, ça me paraît bien. Et ensuite, de l'autre côté, je pense qu'il doit y avoir un espèce de conduit. Ça me paraît pas mal. Parce que là, je pense qu'on n'aura plus beaucoup d'opportunités de gagner quoi que ce soit en termes d'amélioration. Donc on va vraiment... Ok, donc c'est quelque part par ici. Observons. C'est dans cette salle. Est-ce que ce ne serait pas... Ouais, non, j'ai déjà passé le truc. Mais déjà, je crois que je me souviens que j'avais... Ah, là-haut, regardez. Là-haut. Boum. Et là, normalement, je devrais pouvoir m'accrocher. Est-ce que je peux m'accrocher, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Est-ce que je peux m'accrocher au conduit là-haut ? Merci. Parce que ce conduit, normalement, c'est quelque chose d'intéressant. Point d'interrogation. Non mais t'es sérieusement en train de me dire que... Ah bah, un esprit d'Arkham, j'avais pas fait gaffe. Allez, écoutons ça. 14e esprit d'Arkham. Était trop forte. Sa sauvagerie faillit me coûter la vie. Je passais ma frustration sur un patient isolé. Un schizophrène paranoïaque, d'après son dossier. Alors que je le battais à mort, ses plaintes en dirent long. Ses confessions furent lumineuses. Tout devint clair. Ouh. Alors, on n'a plus d'esprit d'Arkham à trouver, il nous reste juste deux énigmes et quatre trophées et une cassette d'entretien. Tais-toi. Ok, bah de là, on va pouvoir passer à la décontamination où il y a trois collectables. Ensuite, deux dans la salle de pacification des patients, je crois que c'était la soirée diapo, et deux, pardon, dans les cellules de détention. Très bien. On aura quand même fallu un moment avant de voir l'esprit d'Arkham, parce qu'il était bien planqué, mine de rien. Alors, c'est ici. Puis voilà, vous voyez, en faisant comme ça, même avec un truc qui nous restait beaucoup, ça nous aura même à peine pris une demi-heure. Alors, sur la gauche, là d'abord... Il y avait quelque chose par là, regarde. Attends, là déjà... Attends, je peux descendre par ici. Un trophée ici. Ensuite, il y a encore deux choses. Je pense que le premier, on va avoir besoin du séquenceur. Oh, j'étais dessus. Boom. Voilà. Une énigme? Non. Attendez. Cassette d'entretien, écoutons ça. Et voilà comment... Voilà la jeunesse d'Harley Quinn. Ok, plus que 5. J'ai tendance à dire qu'il y a encore un truc au-dessus, non? S'il y a une échelle ici... Ouais. Boum. On a combien de défis là en tout? 188 sur 240, il nous en reste plus que 52. Donc deux énigmes et deux trophées. Ok, donc ensuite direction la salle de pacification des patients. Bon, à la limite, je pense que je vais suivre les couloirs, je vais pas m'embêter. Attends, c'est ici? C'est ici, ouais, on va suivre les couloirs. D'ailleurs, c'est là où on avait commencé le jeu, un peu de choses près, non? Il me semble. Ah merde, couloir de prise en charge. Hop. Je peux séquencer. Ouais, je peux séquencer, c'est plus simple.
Ah là, c'est beaucoup mieux. Ok. Il y a un robot par là-bas, donc du coup, on va rentrer dans la salle où il y aura deux shows. Ah non, c'est juste un rang. Alors, ici. J'ai même été choqué de voir comment Maxi Zeus était traité. D'accord. Alors déjà, première chose, il y a un trophée quelque part, enfin un collectable quelque part par ici. Ah, probablement dans ce conduit là-bas. Allez hop. Je confirme. Boum. Prêt à relever le défi. Ok, d'accord. Et au bout là-bas, on a l'énigme du coup. Ah oui, je pense que c'était là qu'il y avait Bane. Donc du... ah non, c'était au tout début quand il y avait Zaz. Oui, c'est vrai qu'on n'avait pas pensé à scanner à ce moment-là. Ah, attendez, l'énigme est quelque part par... par ici. Un sujet détecté. Ah, là, d'accord, ok. Et ben un petit coup, j'ai l'explosif des familles. Et là, on devrait pouvoir scanner et pouf, à nous le collectable. Et là, c'est bon. Biographie Maxi Zeus. Chef de gang dérangé, Maxi Zeus est persuadé qu'il est l'incarnation de Zeus, dieu de l'Olympe. Avec un gang sous ses ordres, Zeus devient un personnage important de la pègre de Gotham City. Les activités criminelles perpétrées par son actif d'armée de criminels sont, d'après lui, inspirées par les dieux grecs eux-mêmes. Donc Maxi Zeus est un criminel professionnel de Gotham City aux yeux et aux cheveux marrons, 1m68 pour 61 kg, alors qu'il a l'air quand même vachement baraque sur la photo, vous en conviendrez. Apparu pour la première fois dans le numéro 483 de Detective Comics de mai 79. Il est poussé par des illusions religieuses complexes, c'est un leader charismatique ayant développé un culte de sa personne, déterminé à augmenter son importance et à convertir de nouveaux adeptes. Plus que deux biographies. Il nous reste donc un trophée et une énigme qui se trouvent toutes deux dans les cellules de détention. On a deux là. Ah bah je peux pas suivre le conduit. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on fasse demi-tour. Heureusement, la salle n'est pas bien grande. Allez, plus que deux collectables et on a terminé tout Arkham Nord à 100%. Ce qui, soit dit en passant, serait quand même pas mal la classe. Et du coup, ça qui est bien, c'est que si ça va aussi vite pour récupérer tous les collectables qui nous manquent, je pense qu'en 3 épisodes, on aura le 100%. Par là, je crois. Ouais, c'est par là, s'il nous reste deux choses à récupérer dans les cellules de détention. C'était pas là-dedans qu'on avait eu une soirée diapo chez mamie. Remarquez, on n'a pas eu de soirée diapo chez mamie depuis le début, donc ça veut dire que les optimisations, si elles ont servi à quelque chose, bah, ça c'est vu. Où trouverais-tu mon petit nid douillet? Bah déjà, je vois un truc où il faut utiliser le séquenceur, donc on va séquencer tout de suite. Allez, séquençons. Boum. Alors, où en sommes-nous? Un sujet détecté. Alors, il y a quelque chose ici. Ah bah non, il n'y a rien. Il n'y a rien ici, en fait. On va dire que j'y suis allé pour la science. Alors, c'est juste c'est légèrement sur la droite. Il y a quelque chose. Ici. Ah, c'est là où on avait commencé le jeu. Attends. C'est là ? Là, ça serait plus le trophée, je pense. Ah, bah dans le conduit, là. Et c'est là où tu commences le jeu. Donc techniquement, c'est le premier que tu peux récupérer. Enfin, c'est là où tu as la première baston. Donc c'est techniquement le premier que tu peux récupérer en jeu. Et ensuite, dans la cellule d'à côté, donc là, il y a juste quelque chose à scanner. Sujet trop petit. Voilà. Et avec ça, mesdames et messieurs les gens, j'ai le plaisir de vous annoncer que les soins intensifs, nous avons récupéré tous les défis 192 sur 240, nous sommes officiellement à 80% des défis de l'homme mystère résolus. Et c'est ça qui est bien, c'est que de là on peut sortir directement vers Arkham S, donc ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, mesdames et messieurs les gens. Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode d'Arkham Asylum, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu des familles, ça fera toujours plaisir. Sinon plus, à laisser un commentaire, à partager la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ou à parler de la chaîne autour de vous, c'est le cœur vous en dit tout ça, vous le savez.
La petite cloche pour l'autre, ça fait plaisir. Les moments épiques et les fails avec les hashtags associés, vous connaissez la musique. N'oubliez pas non plus d'aller jeter un œil à la chaîne de VOD, le lien se trouve en dessous en description. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez me soutenir financièrement en regardant quelques pubs sur Utip, c'est gratuit. Mais bien sûr, ce n'est pas obligatoire. En attendant d'aller récupérer les collectables manquants dans Arkham Est à partir de lundi, je vous remercie encore mille fois de votre soutien. Ne changez pas et je vous dis à ciao, bonsoir.